19 bulletins sur 34, non disponibles sur les tables de vote. Ce matin, à Sainte-Marie, comme dans l'ensemble des bureaux de Lille, le matériel de vote n'était pas complet. Faute de moyens, certaines listes candidates pour ces européennes 2019 n'ont pas pu imprimer leurs bulletins. Et on n'a pas tous les bulletins de vote. Voilà, donc on a mis sur la table ce qu'on a, fourni par la préfecture. Et par rapport au manque, bon, il est conseillé aux gens de télécharger via Internet, voilà, tout simplement. Et qu'il faut qu'ils respectent le format fourni par la préfecture. Du coup, pour éviter toute invalidité du vote, pour tous les électeurs, les règles d'impression des bulletins étaient les mêmes. Un format A4 sur papier blanc, dans une seule couleur et pour un poids n'excédant pas les 70 grammes. Des contraintes de vote inacceptables pour certains électeurs. C'est pas normal. Logiquement, on devait avoir toutes les listes, même si les panneaux affichés, affichage, et il manque beaucoup de photos. Voilà. Et ça, moi, m'y pense, ça, c'est un business. Au moins, parce que maintenant, il ne veut pas faire un changement. Il veut toujours le même. Non, il faut laisser la place aux autres. Voilà. Au nouveau. Pour autant, pas question pour les électeurs de renoncer à leur devoir de citoyen, juste pour une impression à faire à la maison. Non, ça ne me dérange pas, juste qu'on était au courant. Si on est au courant d'actualité, on sait ce qu'on doit faire. C'était bien expliqué, voilà quoi. Puis qu'il y a Internet à la maison, j'ai sorti, j'ai imprimé, puis après j'ai pris ce qui était là et puis je suis partie dans Lyon et j'ai fait mon choix. Aujourd'hui en tout cas, malgré l'absence d'une partie des bulletins sur les tables de vote, c'est un taux de participation en hausse qui a été enregistré pour ces européennes 2019 à Sainte-Marie, tout comme à Sainte-Suzanne.